Alors pour la première fois, première édition sur notre territoire, la Maison syndicale des mineurs, siège de notre service culture et patrimoine de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, donc basée ici dans ce bâtiment, ce beau bâtiment, va accueillir sa première fête de la musique le 21 juin prochain. C'est une première pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin de développer cette fête de la musique dans ce lieu emblématique, tout simplement puisque nous avons au niveau de la communauté d'agglomération, la volonté d'accompagner les enseignements et les pratiques artistiques et culturelles. Et donc, quoi de plus naturel que de s'imprégner de cet événement de la fête de la musique pour aussi travailler avec des professionnels ou même des amateurs de la musique que nous accueillerons donc ce 21 juin. La première à Mouet, qui est en fait un solo de chant et de clavier, donc qui va vous faire découvrir son univers pop. Et le second, Étienne Détré, qui lui s'accompagne à la guitare et en chant et va vous faire flâner autour de la rêverie, de l'exploration, enfin de pouvoir prendre un peu de bon temps et de s'échapper. Cet événement est basé sur la gratuité pour l'ensemble des publics, du plus jeune au plus âgé. Il se déroule effectivement dans cette enceinte même de la maison syndicale des mineurs et effectivement avec une jauge de 200 personnes possibles. Donc il vous est conseillé de réserver pour éviter effectivement d'être refoulé à l'entrée. Cet événement est un événement complémentaire des fêtes de la musique qui s'effectuent sur le territoire et notamment ici sur le territoire de Lens avec les terrasses en fête. Qui ont lieu communément tous les ans, avec ici bien sûr une particularité pour notre événement qui se veut complémentaire des événements proposés sur le territoire puisque nous avons fait appel à deux musiciens régionaux qui vont pouvoir vous faire découvrir leur univers pop tout au long de cette soirée du 21.